Et bonjour à tous, c'est Dimway, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel let's play sur la chaîne sur Batman Arkham Knight. On est le 23, le jeu est sorti tout juste aujourd'hui, donc exclu en découverte sur ma chaîne. On attaque tout de suite, c'est parti. Il y a 9 mois, le Joker a été incinéré. J'ai moi-même appuyé sur le bouton et brûlé ce salopard. Ensuite, on a attendu. Gotham se préparait à subir une inévitable lutte pour le pouvoir. Mais elle n'est pas venue. La criminalité a même baissé. Au fond, je savais que la guerre approchait. Quelqu'un finirait bien par mettre le feu aux poudres. Merci. Avec plaisir. Ah, merci, mon chou. Bien. À quoi? Comme d'hab? Ouais. Donc, une salade au poulet sans vinaigrette. Non, vous savez quoi? Mettez-moi des gaufres avec supplément bacon. Dites rien à ma femme. Comme vous voudrez, monsieur l'agent. Putain, tu crois qu'elle en a quelque chose à foutre de toi? Oh, et faites-moi signe si vous voulez du café. Pas de soucis. Putain, t'es bien foutu, hein? Donc qu'est-ce que je fais? On va lire la presse? Non, même pas. Excusez-moi d'interrompre votre repas, agent Owens, mais il y a un homme qui fume là-bas à la table du coin. Oh, j'y crois pas. 2 secondes, je vais le voir. On ne devrait pas discuter. Pas dans ce sens-là, je veux dire, la voiture est au garage. Il y en a un qui a reçu 75 000 $ de dommages et intérêts. Excusez-moi, monsieur. C'est non-fumeur ici. Ok les gars, ça part en couille. Tommy. Oh putain. Des histoires. Les gens qui en un instant profitaient calmement de leur dîner ont été pris dans une attaque sauvage et cauchemardesque. Parmi les rares survivants se trouve un agent de police. Cette démonstration n'a requis que 140 grammes de ma dernière toxine. Demain, ceci vous semblera bien inoffensif. Gotham, ceci sera ton seul avertissement. Aujourd'hui, beaucoup moins. Les seules personnes que l'on voit encore dans les rues sont celles qui aiment le chaos. La crème de Gotham.
Les crapules. Les criminels. Et pire encore. Il n'y a plus assez d'honnêtes gens pour les arrêter. Putain, les mecs, ils ont la rage. Il n'a fallu que 24 heures pour qu'on perde tout contrôle de la ville. Ce soir, le sort de Gotham est entre les mains d'un seul homme. Jim Wayne. Jim Wayne, à l'aide. J'arrive. Laisse-moi enfiler mon bat slip. Je pars en vacances 15 jours, et ça part en couille. Oh oh oh, mortel! Le justicier, putain, comment on saute, je vais m'éclater par terre. Allez mon pote, alors je suis en graphisme maximal, je risque peut-être de baisser, en fonction, là c'est vraiment le test. Bon attends, je plane, mais est-ce que j'ai un objectif? Ok, je suis descendu trop bas, du coup je vais devoir y aller à Yep. Pac. Boulet de canon, qu'est-ce que c'est? Oh! Putain. Mortel! Allez, on est super loin. Ah, j'ai pas le temps, excuse-moi. Peter Parker! Je m'accroche vraiment à n'importe quoi. Je suis vraiment en schlag. Attends. J'arrive, j'arrive. Ah, nickel. Putain, la pluie avec l'éclairage, on dirait des étincelles. C'est super bien fait, quoi. Ça me rassure que tu sois hors de danger. Désolé, faut que j'y aille. Reste au calme, Barbara. Vous savez toujours soigner vos entrées. Comment se passe l'évacuation? Le dernier bus est sorti de la ville il y a une heure environ. Je suis soulagé que ma fille ait pu partir. C'est maintenant que le travail commence. Du neuf sur l'épouvantail? On a traqué un véhicule militaire non identifié qui fonçait à travers Chinatown. C'est la seule piste qu'on a eue de la nuit, mais il nous a filé entre les doigts. Avec cette histoire d'évacuation, je n'ai plus assez d'hommes sur le terrain. Si vous le retrouvez, dites à vos hommes d'attendre. Je m'en chargerai. Vous pensez vraiment que l'épouvantail est assez fou pour faire exploser une arme chimique en plein Gotham? Je ne lui en laisserai pas l'occasion. Si vous avez besoin de me joindre, la nuit va être longue. Hey, Batman! Je suis déjà parti, mon pote. Je suis plus là. Toujours la même chose. Je suis dans le futur, gars. Putain, je lui ai filé un iPhone 6, là. Gratos, comme ça, parce que j'ai les moyens. Hein. Oracle, je voudrais l'emplacement de l'unité 247. Je suis dessus. Comment va mon père? Il tient le coup. Quoi qu'il arrive, il tient toujours le coup. Ok, voilà l'emplacement du véhicule de l'escouade. Soyez prudents. T'inquiète pas. Ok, alors, on est parti. On va faire respecter l'ordre et la justice dans ce putain de bled. Là, on est en Seine-Saint-Denis. Là. Si on trouve pas quelque chose très vite, c'est mon poing dans ta gueule. Stylé. Alors, on peut pas accélérer, c'est dommage. Ah, c'est la classe, hein, le bas de grappin, là. J'ai envie de leur mettre un petit coup de... Attends, on va tomber cash. C'est parti.
esquive. Ah, j'étais énervé là. Ok. Il y en a encore. Qui en veut? Qui veut du rab? Patate de forain, mon pote. Ok. Batman. Oui. J'arrive. Tu n'es pas une femme. Je ne t'aide pas. Vous ne risquez plus rien. Merci, Batman. J'ai bien cru qu'ils allaient tuer. La ville est envahie. On n'a aucune chance. Mais ferme ta gueule. Restez ici. J'envoie quelqu'un vous chercher. Qu'est-ce que vous faites? J'équilibre le jeu. Carrément. Ta voiture est bien, tu débloques un succès, mon pote. Oracle, j'ai besoin de traquer ce véhicule militaire. Une voiture de police l'a pris en chasse. Je vous transmets ses coordonnées. Putain, ça va chier. Ah, carrément, les gars, ils me le font à la Need for Speed. Rappelez vos hommes. Ah, j'ai pas de frein. Ici le commissaire Gordon. J'annule la poursuite. C'est trop dangereux. Attends, le son où les roquettes là? On y est presque. On peut avoir ces fumiers. J'ai pas un turbo. J'ai pas le temps de lire. Qui c'est, ces types? 5-6, repliez. Plus! C'est un ordre. Laissez Batman s'en occuper. La grande ville a essayé un tir de roquettes. Ils ont été éliminés. Attends, mais comment je lance des roquettes, moi? Ah oui! Je vous en prie, Batman, vous pouvez les arrêter. Ne vous inquiétez pas, Jay. Il est à moi. Easy. Je suis devant toi, gars. Allez! À sortir de la batte. Et voilà pour le véhicule. J'interroge le conducteur pour déterminer ce qu'il sait. Où est l'épouvantail? Va te faire foutre! Oh, tu vas manger. Prise de judo? De la drogue? Où il est? Je n'ai rien à te raconter, Batman. Parle! Ou je réduis tous tes os en miettes. Ok. Il bosse dans un appartement à Chinatown. Je te jure, c'est tout ce que je sais. Si tu mens, je te casse l'autre. L'autre quoi? Ça va, j'ai été cool. Oracle, vous pouvez vérifier la dernière analyse chimique? Bien sûr. Est-ce que c'est ce que je pense? La nouvelle toxine. Un échantillon non contaminé. C'est bien ça. Je vais lancer une analyse chimique complète sur le bat ordinateur. Qu'est-ce que vous allez faire? L'épouvantail a un repère pas loin. Je vais lui rendre visite. Espérons que c'est l'indice clé qu'il nous manquait. Non, franchement, le bat ordinateur, vous étiez pas obligés, les gars. Elle est où ma caisse? Putain. C'est mieux qu'une Ferrari, ça. Attends, non. Oh, je me suis trompé, là. Regarde autour de toi. Tout est à l'eau. On peut faire tout ce qu'on veut. Attends. J'ai quand même vu des flics, vieux. La plupart se sont tirés pendant l'évacuation. Ceux qui restent font que dalle. Ils sont dépassés. Ok. Eh. Ayrton Senna, mon pote. Oh putain, qu'est-ce que je conduis mal. Aller jeter un œil à l'appartement du dernier. Oh, je mérite même pas de rester dans cette voiture, je me casse. On va la garder combien de temps? Jusqu'à ce qu'on nous donne l'ordre de l'asphyxier. Essayez un peu, je crève d'ennui. Oh, t'en fais pas, t'auras ce que tu mérites quand on sera fin prêt. Pourquoi on devrait attendre? On peut lui filer une dose là. Fais-toi plaisir, je dirais à l'épouvantail que c'était ton idée. À l'ancienne, les gars. On n'avait pas l'air. Quoi? Tu crois que j'ai envie qu'il sache que je désobéis à ses ordres? Ah, ma foi! C'est Batman! Je crois.
trop vif. Ah, merde. Vous devriez revoir votre sécurité. Esquive. Eh franchement, quand je suis en mode connasse, s'il y a un petit 4 ans qui débarroule, il s'en mange une directe, je suis trop chaud. Ok, qu'est-ce qui se passe? Voilà qui rend les choses un peu plus intéressantes. Monsieur, Batman, il est là. Tu t'attendais à me trouver, Batman. J'ai bien peur de te décevoir. Regarde bien la cellule. Je veux que tu fasses connaissance avec la peur qui t'attend. Ok, la bête de foire. On va sortir d'ici tranquillement. Si tu tentes quoi que ce soit, je m'explose la cervelle. Franchement, elle est mignonne, mais je la connais pas. Mais un seul d'entre nous sortira de cette cellule. Non ! Non ! Non ! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi l'épouvantail t'a enfermé? Même pas bonjour. Dis-moi. Et si je ne te réponds pas? Alors je brûlerai toutes les plantes de Gotham. J'étais à la réunion. Quelle réunion? Il y avait tout le monde. Le pingouin, Double Face, l'homme mystère, même la pauvre Harley. L'épouvantail a dit qu'il avait un plan. Que tous ensemble, on pouvait t'écarter et que Gotham serait à nous. Il faudrait me tuer pour ça. En effet, c'était l'idée. Je lui ai dit que ces pathétiques histoires d'humains ne m'intéressaient pas. Mais avant que je puisse réagir, je me suis retrouvée enfermée. C'est dommage que sa toxine infecte n'ait aucun effet sur moi. La nature gagne toujours. Je me suis fait victime. Il n'apprendra donc jamais. Tu viens avec moi. Il suffisait de demander. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens la cible, elle est coincée. Ne bouge pas. C'est lui, vous êtes sûr? Batman, confirmé. Monsieur, le tank qui leur sert de renfort est sans pilote. Bien. Je croyais que ce serait lui. Un seul. Alors, Batgriff. Attends, comment ça marche? Excusez-moi, hein. Batarang, votre arme fétiche. Télécommande de la Batmobile, synchronise à distance avec les systèmes de combat et de guidage du véhicule pour attaquer les ennemis. Ça pourrait être pas mal, ça. Je suis en galère. Choisissez le gadget. Oh! Oh! Oh, c'est cheaté! Oh la vache, je suis même pas dedans. Je détecte 6 autres tanks télécommandés dans Chinatown. Ils seront là d'un instant à l'autre. D'accord. Mais sinon, moi je fais quoi? Je vous attends les gars. Je crois que ça fait pas partie du scénario. Ah si, ils sont... Putain, les bâtards. Attends.
Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On est dans un vieux shooter, mon pote. Je vais exploser. Voilà. Oui, je sais, la coque, c'est chaud. Oh là 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 là. Bon, là, faut que je l'emmène chez le réparateur. Là, c'est pas possible. On est bon. Il faut qu'on parte. Le maître a contesté de l'euphémisme, comme toujours. Ah putain, j'ai l'impression qu'on fait une attraction, mon pote. J'ai besoin de savoir d'où viennent ces tanks. J'ai repéré plusieurs hélicoptères de transport qui arrivent en ville. Et c'est pas fini. Activez le diagnostic d'armement de la Batmobile. La guerre est déclarée. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire si c'est le cas, voire à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se dit tous à très bientôt, portez-vous bien. Ciao tout le monde.